L'euro poursuit son repli face au dollar aujourd'hui. Porté hier par la réélection de Barack Obama, l'ambiance s'est alourdie. La monnaie européenne a pâti de chiffres décevants de la production industrielle en Allemagne. Elle était également plombée par les perspectives de croissance pessimistes pour la zone euro l'an prochain. Un sentiment de fébrilité renforcé par les propos du président de la BCE qui rappelle que la mauvaise condition économique devrait encore durer. Et dans ce contexte morose, les cambistes avaient les yeux rivés sur la conférence de presse de Mario Draghi suite au maintien du taux directeur de la BCE à 0,75%. La monnaie européenne a tout de même atteint son niveau le plus bas depuis deux mois à 1,2717. L'euro ne parvient pas à reprendre pied. Il recule face au billet vert à 1,275. La monnaie européenne s'incline également face à la devise nippone, tout comme le dollar qui est à 79,80 yens. L'euro par contre reste inchangé face à la devise britannique.